On arrive déjà à la sixième région sur cette série de vidéos qui, de ce que je vois, a l'air de vous plaire. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, la playlist se trouve dans la description. Et vous trouverez aussi un sondage dans lequel vous pourrez choisir entre Alola et Kanto pour les prochains sans fait. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul puisque je serai en compagnie du frérot Ven. Comment ça va? Bah écoute, ça va super, et toi? Bah super super, on va parler de ta région préférée, en plus ça tombe bien. Ah, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne si vous voulez savoir pourquoi j'adore cette génération. Bref. On va commencer la vidéo. Primo Kyogre a la statistique d'attaque spéciale et de défense spéciale la plus élevée de tous les Pokémon de type O. Pokémon Ruby et Saphir sont les jeux les plus vendus de la Game Boy Advance. Une pièce promotionnelle spéciale mettant en vedette Groudon était disponible dans les précommandes américaines de Ruby et Saphir. C'est la seule région où il y a une arène avec deux champions d'arène à combattre, si on exclut l'arène d'Ogoez à Unis où l'on ne peut affronter qu'un seul champion. En raison de la police utilisée dans les versions internationales, eh bien le marqueur va changer dans les versions européennes et sera donc différent de celui de la version japonaise. On peut le voir, peu de différence, la version japonaise utilise une flèche pour indiquer l'attaque sélectionnée, tandis que dans les autres versions, nous avons un rectangle rouge pour sélectionner nos capacités. Dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, Marc va faire plusieurs allusions sur un probable rôle de futur maître, pour faire le lien avec Emerald. Une Game Boy Advance Collector était disponible sous les couleurs de Kyogre, Groudon et Rayquaza. J'aimerais bien un jour me procurer celle de Pokémon Emerald, elle est magnifique. Juan et Sandra de Pokémon Heart Gold et Soul Silver présentent quelques points communs. Ils sont les derniers champions de leur région respective qui utilisent tous deux un Hyporoi comme Pokémon de prédilection. Dans l'anime, Junko est l'un des seuls Pokémon de Sacha à avoir battu un Pokémon légendaire. Il vient à bout du Darkrai de Tobias, ce qui est quand même un exploit, et va être répété 4 fois par Pikachu, mettant KO le Regice de Brandon, le Latios de Tobias dans un match nul, et le Sylvalier de Gladio et Tokoriko. Et Dracaufeu venant à bout du Articodin de Noland. Wellord a la statistique de base de PV la plus élevée de tous les Pokémon de type O. Whelmer est le seul Pokémon avec un modèle surf unique. L'âge de Flora dans les jeux vidéo est révélé par la chaîne de télévision ONTV dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Courtney est le seul membre notable de la team Aqua ou Magma qui ne peut pas être combattu dans Emerald. La route 101 est la route la plus courte de tous les jeux Pokémon comprenant des Pokémon sauvages. En effet, le joueur doit marcher 35 marches pour parcourir toute la route, soit 5 de plus que la route 1 à Kalos. Dans Pokémon Rossa, Timmy apparaîtra dans le hall pour avoir une revanche avec le joueur après que celui-ci ait remporté 50 victoires consécutives. Et après avoir été vaincu, il réapparaîtra au hasard dans le hall, défiant le joueur avec son équipe la plus forte. Et vous avez 1% de chance que Timmy vous donne une capsule de capacité après l'avoir vaincu. Vous aurez une chance infime dans les versions Game Boy de Pokémon Ruby, Saphir, Emerald, qu'en empruntant le téléphérique, un Pokémon ou un dresseur apparaissent pendant la cinématique. Dans Pokémon Emerald, Rayquaza peut être capturé avant d'affronter la ligue et même avant le 8ème badge. En gros, après sa capture, si vous avez conservé la Master Ball, bah vous serez totalement invincible. Toujours sur la version complémentaire, ce seront des Vigoroth et non des Machoppers qui vous aideront à emménager au début du jeu. Le Pikachu cosplayer est donné au joueur par une éleveuse après sa première participation à un concours. Il est au niveau 20 et possède 5 apparences possibles. Dans Pokémon Ruby Omega, les fichiers Azoth indiquent à tort que la Team Magma a l'intention de ramener le monde à son début, donc à son état d'origine. Mais c'est en fait l'objectif de la Team Aqua dans Pokémon Saphir Alpha, tandis que l'objectif de la Team Magma est au contraire d'accélérer les progrès scientifiques et le développement en créant des terres plus exploitables. Roxanne est la seule championne féminine à être spécialisée dans le type roche. Les prénoms Levi et Tatia sont dérivés du mot lévitation et justement, elle possède des Pokémon avec ce talent. La caverne du fond marin fait l'apparition en toile de fond lorsqu'un Pokémon de Hoenn est utilisé dans le photoclub d'Alola. Dans Pokémon Rossa, le meilleur temps utilisé sans tricherie pour parcourir la piste cyclable est de 11,78 secondes. La ville de Lavandia dans la version anglaise a le même nom qu'une autre ville dans la région de Johto, donc dans la version française, Mauville. Et cette ville a aussi le même nom que la version allemande de l'avant-ville. Et comme Hoenn coïncide avec la région de Kyushu, Poivre et Sel coïncide avec l'emplacement de Nagasaki. La route 117 de Pokémon Emerald a légèrement été modifiée, créant un chemin droit entre Lavandia et Vergazon, non présent dans les versions de Ruby et Saphir, probablement pour faciliter l'éclosion des œufs. Marc est le premier maître d'une ligue à utiliser principalement des Pokémon du type O, dans la version de Pokémon Emerald. Le professeur Seko a 35 ans, voilà, vous le savez. Dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, un montagnard va vous remettre la CT Flash. Cependant, eh bien, il y a une petite erreur dans les dialogues, puisqu'il vous dit « Si tu apprends la CS Flash à un Pokémon, il pourra éclairer les cavernes les plus sombres. » Or, dans ces versions, Flash n'est pas une CS. Vous connaissez sans doute, sur la petite île de Pokémon Ruby Omega, la technique pour faire éclore vos œufs très facilement.
Si vous vous placez juste à cet emplacement, eh bien, vous pourrez faire le tour de l'île sans rencontrer le moindre obstacle. Atalanopolis est la seule ville du monde Pokémon qui nécessite l'utilisation de la CS plongée. L'île du sud de Latias et Latios partage le même nom avec une île dans Pokémon Donjon Mystère. Le centre spatial de Algatia est basé sur le centre spatial de Tanegashima. Et dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, le joueur peut rentrer dans la grotte origine après avoir capturé ou vaincu Kyogre et Groudon. Dans Pokémon Emerald, l'entrée est bloquée pour le reste du jeu. On ne sait pas pourquoi, après avoir réveillé Rayquaza dans le pilier céleste. Dans Ruby et Saphir, cette grotte est totalement sombre et donc vous devrez l'éclairer avec la CS Flash. Mais dans les autres jeux, cette grotte sera normalement éclairée. La région de Hoenn et les jeux de cette génération sont ceux qui contiennent le plus de ROM hack. Il n'y a pas de boutique Pokémon dans le village Myokara. Hoenn est la région comportant le plus de routes avec un total de 34. Brice et Flora sont les seuls personnages qui ont la chance de parler à la fois avec une mère et un père dans les jeux. À Pacifiville, un vieil homme dans la maison du sud vous fera une référence au film du Seigneur des Anneaux. Alors moi je pense que je suis le seul à pas avoir vu le film, mais voilà. Et lorsqu'on parle au garçon dans la maison du nord-ouest, il vous demandera d'où vous venez. Vous aurez le choix entre oui ou non comme réponse. Il vous dira soit oui, ville, mais je n'ai jamais entendu parler d'un endroit comme ça. Et si vous dites non, bah il va vous dire que ça n'a aucun sens et que vous venez forcément de quelque part. Dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, un PNJ féminin affirmera que Norman, et indirectement toute sa famille, a déménagé à Hoenn depuis Johto. Un PNJ mentionnera avoir vu Glacia manger des ramen et vous dira aussi qu'elle aspirait ses nouilles à un rythme si incroyable qu'elle dégoulinait de sueur. Donc dites-vous que cette Glacia mangeait sûrement au même rythme que Luffy ou Sangoku. Je préfère pas voir ça. Et un top dresseur vous mentionnera aussi la région de Kalos en disant que beaucoup de produits ont été importés de cette région, car le propriétaire a visiblement l'air d'apprécier la région. Pokémon Emerald présente plusieurs similitudes avec Pokémon Platine. Déjà les deux sont les troisièmes versions de leurs scénarios respectifs, le Battle Frontier a été exploité à 100% dans ses versions complémentaires, les deux présentent un dernier membre d'un trio légendaire, et les deux ont rajouté aussi la possibilité de recombattre les champions d'arène après avoir obtenu le Pokédex national. Et vous aurez aussi enfin le droit à capturer les deux mascottes des deux jeux précédents. Avec les remakes, ce sont les seuls jeux à avoir des teams exclusifs à la version. Dans Pokémon Emerald dans la route victoire, un dresseur possédera un Lanturne qui connaîtra la capacité séisme, une attaque qu'il ne peut absolument pas apprendre. Même si Timmy vous défie à l'entrée de la route victoire dans Pokémon Emerald, les rematchs avec lui auront lieu dans tous les jeux près de la sortie. Il restera donc à son emplacement initial dans Pokémon Ruby Saphir. Dans les démos de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, les nouvelles attaques ne peuvent pas être apprises après la montée d'un niveau. L'évolution ne peut pas être annulée, et les dresseurs que vous allez rencontrer dans la démo auront une équipe différente. Il sera totalement impossible de rencontrer des Shiny à l'état sauvage, mais en revanche, pour votre Pokémon de départ, il sera possible d'en obtenir un lors de la première aventure. Cependant, la démo n'inclut pas les textures shiny, à l'exception du Métallos de Pierre Rochard. La capacité lutte a des statistiques de concours, malgré que logiquement, cette capacité ne peut pas être utilisée, sauf si vous trichez, et bien le jeu sera susceptible de planter si vous utilisez cette attaque en plein concours. Et c'est aussi l'un des seuls endroits où vous avez la possibilité de rencontrer des Pokémon avec des surnoms. La conception du Pokénav Plus est basée sur la Game Boy Advance SP. Et dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, elle est basée sur la Game Boy Advance originale. Si vous avez vu les films de Pokémon Hoenn, vous avez sûrement entendu des doublages différents. En fait, c'est un autre studio Mania Dub International avec d'autres comédiens qui se sont occupés de la VF. Et personnellement, je l'aime plutôt bien. Un nageur sur la route 124 vous dira que son Pokénav est totalement étanche. Vous aurez la possibilité d'échanger à Merouville un parcours contre un Makuhita. Et Métallos est le seul Pokémon de pierre dans l'anime à ne pas être de type roche. Et le premier Pokémon à être présenté dans un thème sur la 3DS. C'était quand même une sacrée masterclass à l'époque. Dans Pokémon Diamant et Perle, une femme dans la tour de combat de Sinnoh vous mentionnera qu'elle vient d'Hoenn et se trouve dans une autre tour de combat, faisant donc référence au Battle Frontier de Hoenn. Dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, nous avons le droit à un modèle de la tour de combat, qui est donc la première installation pour le Battle Frontier. Vous connaissez sans doute le bug du clonage dans la tour de combat de Pokémon Emerald, ce qui vous permettait vraiment de faire des équipes de malades, comme par exemple Sirikoza. La carte de la tour de combat de Pokémon Ruby et Saphir se trouve dans les données internes de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. Cependant, les données du jeu ne sont pas complètes. Voir la gueule de la carte, c'est un peu n'importe quoi. Dans Pokémon Légende Arceus, on peut apercevoir le portrait d'un homme ressemblant à celui de Max, probablement son ancêtre, et qu'il avait un rôle
clé au sein du clan. Dans Pokémon Ruby et Saphir, Damien est le seul membre du Conseil 4 à ne pas utiliser deux fois le même Pokémon. Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours Rouge était le dernier jeu Pokémon sorti sur Game Boy. Parmi les personnages rivaux, Brice et Flora sont les seuls à arrêter les combats contre les joueurs après sa victoire à la Ligue Pokémon. Et sans les remakes 3DS, ils auraient aussi été les seuls à ne pas présenter l'évolution finale de leur starter. Vous aurez la possibilité d'obtenir un Skitty à Simtronel en échange d'un Spinda. Dans Pokémon Ruby Saphir Emeraude, Damien possède un Tangalis qui connaît la capacité extrasenseur au niveau 48, mais sauf que celui-ci ne l'apprend qu'au niveau 49. Le bâton du meneur de zone Esteban semble avoir été conçu après Kyogre. Sa relation avec ce Pokémon a été abordée dans les aventures Pokémon où il aurait touché l'orbe bleue dans le passé, lui donnant des visions de Kyogre. Vous connaissez sûrement les journalistes de Pokémon Ruby, Saphir, Emerald ainsi que dans les remakes. Eh bien, un petit clin d'œil est fait dans l'animé Pokémon avec Jesse et James qui possèdent tous deux les mêmes vêtements et la même coupe de cheveux. À une chose près, ils n'ont pas fait la teinture. Vous aurez la possibilité d'obtenir un Coraillon à Pacifiville contre un joli Flore. Dans Pokémon Emerald, le PNJ Brice apparaît devant la maison de Monsieur Marco sur la route 104 si le joueur se met hors jeu avec un pack d'Evon dans son inventaire sans avoir croisé son rival à Merouville ni visité le centre Pokémon local. Le thème du musée est un remix de la chanson entendue sur le Saint-Anne. Et dans l'aventure, vous devrez payer 50 Pokédollars pour accéder au musée. Mais si vous n'avez pas l'argent, eh bien la réception considérera que c'est un cas à part et exceptionnel. Donc, elle vous laissera passer même si vous avez 0 Pokédollars sur vous. Et dans Pokémon Ruby et Saphir, l'étage supérieur du musée contient des échantillons d'eau provenant de Kanto et Johto. On aura le droit aussi à des échantillons de Unis et Sinnoh dans les remakes. Toujours sur Emerald, vous aurez la possibilité d'obtenir un Granipio en l'échange d'un Tarsal à Merouville. Si vous aimez le Shiny Hunting et que vous souhaitez par exemple reset les starters, vous aurez la possibilité de tomber sur un Zigzaton ou un Medina Sauvage Shiny, et vous sera obligé de le mettre KO. La tour Mirage pourrait être inspirée d'une tour avec le même nom en anglais, Mirage Tower, qui apparaît dans Final Fantasy sur NES. Les deux tours apparaissent dans un désert et ne sont visibles que dans certaines circonstances. Et d'ailleurs, cette tour n'apparaît pas dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, mais le Pokénav y fait plusieurs fois allusion. Bourré échanger un Musiole contre un Posipi à Simtronel. Alizé possédera un Altaria qui connaît Dansdraco alors que celui-ci ne l'apprend qu'au niveau 40. Et de plus, ce Pokémon est censé évoluer au niveau 35 et il sera au niveau 33 lorsque vous l'affronterez. Un peu triché là madame. Le défi de la famille stratège est similaire à la façon dont le joueur doit combattre les membres du Conseil 4. Rayquaza a été conçu par Hironobu Yoshida qui est notre maître à tous. Il a également été élu Pokémon légendaire le plus populaire selon la communauté. Pico et Monsieur Marco sont représentés dans une peinture exposée à Illumise dans Pokémon XY. Spectra est le seul membre du Conseil 4 à ne pas avoir de Pokémon de type eau dans son équipe. Et elle est la seule spécialiste de type Spectre à ne jamais avoir obtenu un ectoplasma dans son équipe. Dans l'animé Pokémon, Charmine est l'une des seuls personnages à être tombée amoureuse de Pierre. En fait, elle prétend que ses yeux lui rappellent un bras qu'elle connaissait, donc en fait, elle aime juste ses yeux. Mais bon, je comprends pas pourquoi Pierre n'est pas resté avec. En l'échange d'un Drabi à Pacifiville, vous aurez aussi la possibilité d'obtenir un Hippotrempe. Aragon est l'un des seuls membres du Conseil 4 de Hoenn à apparaître dans l'animé. La ville de Hotekia semble être inspirée sur celle de Wata au Japon. Avant Soleil et Lune, Timmy partageait son nom chinois avec Dawn, et donc celui d'Aurore en anglais. Il est possible, dans la zone de combat, de rencontrer des dresseurs avec des Pokémon Shiny. A votre place, j'aurais le seum d'en rencontrer un. Et dans cette zone, justement, toujours dans Emerald, vous aurez la possibilité d'échanger un Skitty contre un Meowth. L'île de Deoxys est absente dans les remakes de Ruby, Omega et Saphir Alpha. Bon, c'est un peu logique, puisque l'épisode Delta y fait allusion après que Mega Rayquaza ait détruit la météorite. Il semblerait que dans le monde de Ruby, Saphir et Emerald, cette météorite et atterrit tranquillement sur la planète Terre, sans causer réellement de dégâts. Avant le tuto de capture, Timmy va recevoir une Pokéball de Norman, mais il semblait ne pas en avoir. Dans la troisième génération, c'est vrai, mais dans la sixième, eh bien Timmy possédera 15 Pokéballs dans son sac. Quel menteur celui-là. Et enfin, dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, après que le joueur ait vaincu Max ou Arthur au Mont Chimney, eh bien Timmy sera considéré comme un dresseur certifié dans toutes les arènes Pokémon. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, allez voir la chaîne Deven dans la description, et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, c'est Electro, et ciao ciao.